Jamona, nous songeons dans la même émission ça, à plusieurs reprises, t'es gagné des apôtres de la violence, des mondes qui t'es porteurs d'un discours de caniveau, qui t'es exprimé bas instinct en qualifiant de toutes les épithètes leurs compatriotes, qui t'es exprimé des pulsions mais vraiment de destruction, côté au lieu que regarder à l'intérieur de vous-même, font introspection pour capable analyser les causes profondes réelles de échec yo. Eh bien, yo continue à abrutir yo dans des approches de graine gauche. Et puis, à l'arrivée, yo toujours recevoir même leçon. Puisque rançon médiocrité, la rançon de la haine, c'est l'isolement politique, c'est le rejet politique par la population. Donc, ça va étonner. Des mondes qui t'a traité monde de rampeur, de reptile, de tout bas, voilà. Alors que véritable attitude reptilienne, non, c'est eux-mêmes qui gagnent. Y a rampé parce que y ont refusé admettre que y a des règles dans la démocratie à que on doit suivre. Et puis y ont refusé, ils ont refusé par conscience de leurs limites, de leur insuffisance, et ont pas jamais posé cette question. D'accord avec un niveau. Je ne pose pas cette question. Non, mais Caniveau a dit. Moi, je répète encore. Non, Caniveau a dit. Parole Caniveau est là, Caniveau. L'élégance politique, l'honnêteté intellectuelle, t'as commandé mon saillot. Et ils ont été au timon des affaires à un certain moment de la durée. Si je me rappelle. Et ils se sont cassés les dents. Ils ne peuvent pas remettre rien comme résultat. Donc, au lieu de chercher cause profonde, réelle, échec, lui. Ça fait que discours ça, ce refrain lamentable que toute la semaine journée a claironné à travers la presse, ça fait que l'IPA capable de éco favorable dans la population, hein, eh bien, ils continuent à utiliser des mots blessants au lieu que font politique côté que monde, que son bataille d'idées contradictoires qui gagne. C'est malheureux. La caille moins dans le nord. Le nom christophien, la caïmou, il t'a pris des malpourrotes. C'est ça où t'a dit. Alors, c'est même politique. Ça veut dire quoi? Parlez-vous contre tout? Le n'a pas le droit de répondre. On va parler tout. On va le bon temps pour nous parler. Ça veut dire quoi? Mon cher, heureusement que Bav Crapaud n'est pas jamais capable d'affecter la blancheur immaculée. On prend des gens qui croient dans l'opinion, qui sont loyaux et qui respectent des principes démocratiques. On ne peut jamais capable. On prend l'habitude à ce qui va être étonné. Ça veut dire quoi? Lorsque on fait la politique, et puis moi-même, m'attendais Minchitavo pour me tendre une analyse qui pas nécessairement aller dans le même sens avec même, mais qui est capable d'éclairer des sujets capotons jour nouveau sur des sujets d'importance pour ce pays, et puis moi que c'est la promotion de la haine. Vous traitez les gens de n'importe quoi. C'est de deux choses l'une. Et il vote du peuple, c'est la
c'est de deux choses l'une. Qui te traitait de païsien de Ravel. L'attitude, la caille nous dit, de pour pas qu'à manger au fligaté, c'est ce que moi j'ai appelé le syndrome du cafard et que je maintiens. Non, mais sinon, les femmes de la fontaine. Bêtise, va dire rien. Non, mais ça me dit, le syndrome du cafard, c'est quoi? C'est lorsque ou pas qu'à manger, ou aller dans l'élection, ou échouer piteusement parce que pas de représentativité, parce que porteur d'un discours médiocre, parce qu'on pas de projet de transformation sociale, c'est pas comme ça a été le cas pour le président Jovenel Moïse qui lui-même a une vision et que majorité a voté. Je dis que c'est le syndrome du cafard. Et nous te comprenons heureusement. Oui, heureusement, la pire monde qui te reprend ni même après moi. Même dans l'émission ça. Ça veut dire quoi? Nous pas jouer. De deux choses, lui, nous pas jouer. Moi-même, mais samedi. Prends sérénité, ou bien parole ou qu'a dit. De deux choses, lui. Ou bien vous faites lui. Il est censé parce qu'on pas jouer maintenant. Non, justement. Ou bien vous faites lui au cérébral quelque part, bon côté Mounsayo. Ou bien ils sont de mauvaise foi. Ils sont de mauvaise foi. Comme ça, ça veut dire quoi? Maintenant, vous avez un pays. Une majorité qui décidait, choisit il y a un monde pour capable de prendre destin en main. Quelqu'un de sérieux, de dynamique, qui décide de rompre avec tradition que tu gagnes pour être connu dans le palais national, car il y a la rencontre de cette population, qui réalise une politique de proximité, qui fait une politique de communion avec cette population, qui est le président Jovenel Moïse, mais subitement ça dérange. Ça dérange ceux qui sont réfractaires au changement. Ça dérange ceux qui sont allergiques au progrès. Ça dérange les gens qui parlent le pays, ça ne font pas. Sinon, le pape continue à enliser, mais ça me la boue des attaques inutiles qui n'ont pas aucune raison d'être. C'est un témoignage que le pays a sorti dans sa guerre. Ces gens-là, ils ont fait preuve de débauche. Alors, Ils ont débauché de théorie que même ils ont du mal pour respecter. Sénateur Moïse, même café, et je te le dis sans flatterie. Parce que moi-même, et son homme de terrain dans le pays, ça, moi, j'ai gagné une certaine popularité. Seul ça que moi, je regrette, et me dit à plusieurs amis qui ont même fait campagne pour vous, me dit que vous êtes en train de faire fausse route parce que vous valez mieux que ça. Ou vaut mieux que cette approche réductrice de dire faut payer président Ali. Ali qui dort. Non, est-ce que ça veut dire. Des années. Nous avons demandé président Ali. Lâchez-moi, vous ne voulez pas aller, il faut l'aller. Et que sais-je encore? Un refrain lassinant, fatigant, lassant. Côté que moun sérieux, vient dit bon, il veut attendre l'autre cause. Mais j'en ai marre de ces approches déstabilisatrice, une fatiguée que jalousie, aigreur, le refus d'accepter l'autre, la victoire de l'autre. Mais il faut cesser la provocation. Attendez, il faut cesser la provocation. Nous dit que fatigué de tout ça, ils ont fait un choix. Ils ont fait un choix lucide, un choix éclairé de président dynamique qui nous trouve véritablement le travail pour peuple ça. Écoutez, l'honnêteté, la décence, commande quoi, sénateur Moïse? Il commandait que, oui, on a besoin d'une politique, comme l'a dit le chef de l'État au Parlement. Mais écoutez, de l'opposition qui enfin décidait ce que j'appelle la modernité politique, comme ça se fait dans toutes les grandes démocraties. On a la calme, moi, je suis là, ben, entendez. Un capateur attaque moun, entraînant maman et tel, n'a joué madame et tel, abdi et tel, Martelly. On ne veut pas. Moi, Jean-Charles, mon frère, tu as perdu les élections. C'est pas vous-même qui arrivez en tête des élections.
La majorité est résultat normal tout ça, border. Tendez, fin de bien, tout à l'heure, ou une majorité, ou une majorité dans le Nord qui a voté, et ça a été mais une déferlante qui votait Jovenel Moïse, ou il vient deuxième dans le Nord de Jovenel Moïse. Et dans le Nord-Est. Et sur l'ensemble du pays, pas de tête ou menti. Sur l'ensemble du pays, tu es arrivé en troisième position. Mais c'est une position honorable. Non, mon cher. Une position honorable. Ça veut dire quoi? Nous sommes fait de l'Assemblée. Oui, ça veut dire quoi? Il n'a pas avancé. Ça veut dire quoi? Nous sommes fait de l'Assemblée déjà. Eh bien, m'a dit nous, mes amis. M'a dit nous, mes amis. Vous autres pseudo-leaders qui a nagé dans cette laideur massacrante que nous fatigué avec c'est eux. C'est le moment de l'Union Française. Eh bien, m'a dit nous, dans les deux sanouïa, l'IPAP n'a aucun résultat. Les années vont passer, à bien l'autre élection, vous serez encore une fois rejeté par la population parce que vous dites, mes amis, qui est-ce que ça a baillé son chance? Mais 6 millions de monde de voter. 500 000 baron. Eh bien, sous ces 500 000, et vous même ou pas 50. Non. Donc vous n'existez pas. Non, quand même. Vous n'existez pas. Si qu'on y a dans ces. Bon, ok, 500 000. Et vous autres, moi, je ne sais pas. D'accord, vous tournez dans vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Moi, m'a dit nous. Comme ça va faire. M'a dit nous. La fait politique, en nous honnête. Si nous pas qu'à honnête avec l'autre monde, en nous honnête avec propre tête, nous. L'honnêteté, c'est la meilleure politique. Absolument. Oui, ça veut dire quoi? Une majorité qui fait choix de président. Mais pas sur la ville de la Valasse, non? Il a décidé que c'est lui qui a mené bac destiné pays ça. Pour les 5 prochaines années, il en reste 4, et de quitter le travail. Dénoncer, ça qui a été dénoncé. Faites de la politique autrement. Montrez-moi quoi à la hauteur de mission ça, de voir côté recueilli qu'il faut arriver en troisième position. Moi, je veux un message pour vous. J'ai dit à l'un de tes amis, si que, non, comme dit, si que décidez, tout le monde Moïse pardon, non. Du discours qui est fédérateur, moins clivant, un discours qui parle là pour capable diviser société, et Jovenel, qui était dans la plus bon. Et ma continue pour me dire, les institutions de la République seront mises sur pied. Ça va se faire. N'importe comment. Non, ça va se faire parce qu'il est grand temps qu'on le fasse pour permettre que le pays a avancé. Et ma continue encore, vous me dites, c'est ce que réclame la majorité. Docteur Hugo. Lorsque qu'on y a ou gagné, pas de job. N'oubliez pas de pas de job parce que il y a des déclarations. Attendez, on va demander ce qu'il vaut mieux. En rire ou en pleurer. Moi, je ne vais pas pleurer. Je préfère en sourire. Lorsqu'on vient des mondes qui pour capable d'être pulsion, qui pas qu'arriver nager dans certaines sphères, tant que Henri de Monterre t'a dit dans la reine morte, ce que moi je vous reproche, c'est de ne pas pouvoir respirer à la hauteur où je respire. Si qu'on y a l'entombe attaqué, soit attaqué, soit qu'on y a pas attaqué d'honnêtes citoyens, je vous seule fixation l'a fait. Directeur cabinet président, un type sérieux, honnête, dynamique. Il vous seule obsession, dans chaque émission le passé, on pour qui ça vous paraît-il? Moi, je ne suis pas fait bien. Non, n'a pas eu monde, n'a pas accusé monde, son wagon qui a une preuve, c'est oui, il a arrêté. Pour diffamation. Je vous demande d'arrêter, de cesser avec vos stupidités. Ça veut dire que, on va qu'à faire ça, mon cher. On va qu'à arrêter de décréter Moïse. C'est même pas que ça qui mettait nous dans l'état, nous y est là, oui. N'importe qui comprend nous qu'à monter, nous ne pouvons pas accuser n'importe qui, n'importe qui gens. Non! D'ici, il pas cessé dans ses attaques. Et attaque diffamatoire, ça y est, c'est lui qui a attaqué. Il a arrêté parce que, écoutez, c'est un rapport bidon, pendu par la cupidité et la volonté d'exclure. On n'a pas qu'à vaguer. Nous n'avons pas une élection. Alors, moi, c'est. Non, bon, c'est pas pour mon rapport. Sénateur, la rapport bleu. Rapport bleu. Demande qui est présidentiel comme Laurent Lamotte. Et qu'on a une obsession pour isoler. C'est peur bleu. Fait qu'on tombe dans le mensonge et la fabulation. Ou quitter Cadlan. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous parlez de rapport. Mais tout le monde n'a pas examiné le rapport là, mon frère.
ce fameux rapport, ok, dicté par la médiocrité toute sauvelée, la peur aussi des autres. Bon, pas qu'à traiter compatriotes, tout qui ça a fait. Il y a des parlementaires. Tant qu'on te dit ici, on va parlementaire. On va refaire, non. Non, on va refaire. On va refaire. Non, non, non. On va dire c'est au président. Non, mais on. Non, le souci d'écarter des autres. C'est ça que médiocrité a. Donc ça veut dire que. Et bon, ça normalement là. Fin d'année, Joe. Fin d'année. Et bon, écartez-vous normalement. T'as de oui. Non, t'as de. Commission. En rapport, est-ce que vous connaissez des monde qui gagne un paquet de bagailles que vous faites, projet par exemple dans l'hépatement? Parlez-vous pas de quel côté, non? Vous parlez de ça. De ça. Résolution qui t'est prête. Par exemple, il a gagné. Il a gagné président. T'as de oui, vous parlez de président Préval. Je parlais de président Jovenel. Et puis subitement, oui, on sort de sorte d'amnésie. On amnésie, oui. J'ai oublié de l'autre président avant le président Jovenel. J'ai oublié lui. Non. Ah, merci. Bon, un client n'a pas à toi. Ah, monsieur, Président privé pas inclus là-dedans, c'est parce que il est arrivé dans phase dans budget. Budget. Bon, moi, Mabdo, même là où ils ont un paquet de bagages, c'est de la bouillie pour les chats. Mais au moins, moi, j'ai certaines capacités. Même moi, oui. Au moins, de la bouillie pour les chats. Mais au moins, t'as moi, oui. Non, t'as l'air. Oui, c'est de la bouillie pour les chats. Mais au moins, moi, j'ai certaines capacités. On voit une certaine cohérence. T'as soit dit. D'accord? Ça, je conclue vous dire. Ce pays, qui ça le réclamait dans le moment ça? Il réclamait la paix, stabilité, le vivre ensemble. Il réclamait une opposition réelle, sérieuse, qui n'est pas aveugle, mais lucide. Une opposition contre respectueuse. Attendez bien. Respectueuse. Respectueuse des normes et des principes démocratiques. D'accord. Mais ça pays, ça a besoin. Mais attention, on voit ça qui passe là. Je vous le dis, à la fin du succès, succède un appétit de paix. Donc, ce pouvoir, vous t'avez amené la paix. Pays a réclamé la paix. Non. Ma conclusion, mon âme. Ma conclusion, vous me dites. Non. La paix. La paix. Non, attention. On prend crasé brisé et ça Mandela là peut-être calé ça il parle la dalle on parle crasé brisé bon nous avons avantage la dalle tant que n'a continué dans dynamique ça c'est pour que dénoncer ou parler d'elle pas me dénoncer toujours dénoncer mon ça il te dénonce pour les caroukai toujours abdé aussi bon là sous tableau va me dire c'est là la laf n'a doit dire boulet kai non la majorité qui dit que l'un de la bagarre il faut que tout le monde réponde lui dit c'est eux pas de bouger j'aimerais aller mon capteur plus c'est là toi fini oui m'a fini non faut fini et pas wap fini tant que faut fini popularité mon saïo qui déjà t'es très maigre maigrichonne la continue réduit on est intelligent par son la continue réduit comme peau de chagrin. Donc, vous-même, mon frère, si vous ne voulez pas noyer. Ah bon? Noyer! Fini mal dans la plus belle histoire. Et il y
ayez un autre discours. En avance ensemble. Frère, il faut écrire discours là-bas, ou ça vous gagne. Merci, je m'arrête là pour l'instant. Sénateur Erivo, il a souffert de myopie, j'aime ce dire là, myopie aiguë. C'est quoi une myopie? Non, il va faire définir son tab. Non, excusez. Je vais poser une question. Occupé. Mais sénateur Erivo, bien qu'on est en tant que femme qui sorti dans le nord, quand on est à l'ombre de la citadelle en ligne, on ne peut que penser grand. On passe. Ça veut dire quoi? Mais on fait mauvais choix. Allez-y, ma jolie. Sur ces cités lieux. Comme dit, sénateur Erivo a défendu comme toujours depuis bien des temps, a défendu l'indéfendable. Comme des sénateurs de la République qui, durement mandaté par quoi, fait un rapport sur un cob que Haïtien vient pour remettre dans 25 ans, effectivement, ça saute aux yeux, pas besoin de marcher chercher pour réaliser 3,5 milliards de dollars américains. Qui ça le fait? C'est la question à se poser. Côté 3,5 milliards de dollars, là, qui ça le réalise avec? Yon commission fait un rapport. En bon citoyen, faut à respecter droit haïtien, haïtien nous qui a payé taxes. Parce que c'est pour l'argent, moi je commence à payer. Nous tous là, nous commençons à payer de par taxes. Nous et budget ça, qui l'a pour aller ça, c'est une preuve que dès que l'on commence à payer et que l'on augmente la taxe de façon exorbitante, ma prête moi dans le sénateur Erivo, l'on monte toute taxe sous population pour arriver à payer la dette là. Dette pour qui ça? Ou pas avec qui ça? 3,5 milliards l'on fait de concret. Si nous disons ça ici, nous ne pouvons pas cautionner tout le bagage. Il y a une dette qui est assez lourde que Haïti pral payer dans une situation que nous y a, même lorsque c'était cadeau qui était fait nous, nous pas de droit faire le passé comme ça. Faut que yo cherche pour yo connaître la vérité sous 3,5 milliards de dollars. Sénateur Erivo dit tout à l'heure que libéral et pas gagné, pas gagné, rapport là pas étendu sous la présidence de Privé. Moi entendais commissaire yo pendant un pile temps sous un pile média expliquer que mon technicien qui était avec yo expliquer yo que si yo commence et étend rapport sous privé gen un problème nos affaires et budget. Par rapport à année budgétaire qui vont finir yo pas sénateur. Oui, c'est vrai, ça va, vas-y. Sénateur a bien connu que tout ça l'a dit, c'est Jean-Luc sénateur, mais c'est du pipi chat. Le peuple haïtien demande des comptes pour les 3,5 milliards de dollars. Vous voyez un chiffre, la majorité, en passant de ça. 3,5 milliards de dollars de la dette. C'est pas ça le montant, la somme. Combien lié? N'importe quoi. C'est pas ça. Mais gros montant. Oui, mais pas 3,5. Combien lié? C'est ça, là, c'est menti. Combien lié? C'est ça, lié. Je vais tout à l'heure parce que c'est où qu'a parlé qu'on y a. 3,5 milliards de dollars. Je te dis, avec tout respect, M. Gébo, c'est pas ça. Ça veut dire, soit dit au sénateur, ou qu'on est en ou même, ou qu'on s'est menti, ou a fait. Non, ma bonne montée dit ça là. Ça, c'est une information, non. C'est où qu'a parlé. C'est où qu'a parlé, m'a gardé ça. Kounia. Il doit parler vite. Kounia. Peuple là a demandé compte pour l'argent parce que c'est lui qui a le payé. Pas aucun monde qui a empêché mon yon de compte. Kounia, nous tournons la risée de tout le monde. Parce que ça passe. Nous faisons cette tête en bas à regarder. Quand niveau docteur Ivo t'a parlé, nous avons gringolé la donne. C'est l'indécence, c'est l'immoralité, c'est ça qui vaut. Ça, grille de valeur, yo chavirer tête en bas pour nous dans la société. Ça a c'est pour ça. Des haïtiens qui sont très offusqués par déclaration Donald Trump et moi, c'est une.
moi offusqué pour lui. On va parler de ça. C'est pas parce que c'est pas parce que nous offusquons, c'est pas parce que par un bagage drôle qui a passé ici. Des bagages drôles et même très drôles qui demandaient à ce que haïtiens conséquents arrivent chiter ensemble, tête en place, pour nous voir comment nous sommes capables de finir avec des systèmes ça. Qui mettait société sa tête en bas, le système inégalitaire qui a perpétué depuis 1804 pour y venir jour et jour parce que yo t'ai touillé des salines pour yo t'ai touillé rêve nation les collabos les soubreka les soufflants yo yo t'ai toujours metté avec colon ancien colon yo pour yo t'ai conduit pays d'Haïti dans salier là en passant par 1915. C'est pour ça nous mêmes dans opposition démocratique et populaire, alors que sénateur et ils vont venir de radical, nous pas connaît. Nous ça le dit, mais nous dans opposition à ça pas bon. Nous dans opposition à système manger moun ça, à système peser sous, c'est ça qui fait tout pour un groupe moun, majorité population pas dans rien. C'est ça qui fait. Dimanche et lundi 22 nous font appel citoyenne. Un appel citoyenne côté nous mandé population en général. Dites-nous, c'est plus gros bagaille nous capable de gagner. Pendant pour nous, nous gagnons pour nous régler, nous avons réglé bagaille la caille, mais nous pas qu'à quitter à fond ça a passé. À fond que Donald Trump n'a approche raciste, lui. Tout le monde connaît Donald Trump son raciste. Alors, faut faire attention, faut faire attention pour ne pas faire jouer le parti démocrate là en Haïti. Oui, c'est ça, moi, qui a passé là. Son parti politique, t'as gouma en l'autre. Et puis tu as fait des rapages parce que jusqu'à présent, nous n'avons aucune évidence que Trump te dit. Non, il y a des évidences. Nous-mêmes. Non, il y a des gens qui disent que nous... c'est des témoins. Ouais, par exemple, sénateur Duben, M. Sonègue, qui toujours a fait le travail dans le Parti démocrate là. Deuxièmement, ou le sénateur Lindsey Graham, qui c'est un républicain qui était toujours en face de Donald Trump parce qu'il était pensé qu'il était à la nomination de Barry Miguel. Donc, nous comprenons, oui, nous avons excité, nous avons fâché. Mais il ne faut nous pas faire jouer nos partis politiques parce que nous-mêmes, nous avons des problèmes. Pas nous, nous régler ici. En passant, 1804, nous n'avons jamais reconnaître l'indépendance, nous. Passé par 1900, ils ont fait tout gago. Là, on parle des États-Unis. Ils ont eu ces affaires. Ces affaires et questions signées, accord, protocole d'accord, que eux-mêmes, ils ont cause que nous, dans la situation que nous y sommes. Nous ne défendons pas les affaires ni démocrates ni républicains. Non, ça, c'est. Non, manifestation, ça, c'est pour démocrates. Ils ont toujours dit, Américains, c'est intérêt, intérêt pays. Nous-mêmes, nous vivons dans ce moment-là, intérêt pays, nous, dignité pays, nous, en jeu. En dehors de tout problème, toute divergence, toute difficulté que nous avons la caille nous, entre nous, faut que nous réglions, faut que nous passions par chambardement système ça, pour nous arriver dans un état général, pour nous arriver dans la conférence nationale qui peut définir qui nation que nous voulons, qui type d'éducation que nous voulons, qui vrai citoyen que nation ça a demandé pour haïtiens pas sentir yo dépayser leur en Haïti. Jeunesse a obligé à courir pour l'al Chili. Faut que nous réfléchissions ensemble. Et pendant que nous avons fait travail politique, ça, nous avons invité toute population à nous faire déjà. De la marche pour la dignité nationale, situation économique nous, situation couleur pour nous, pas demander pour un raciste à traiter nous n'importe qui gens. Oui, Donald Trump dit que haïtiens. Haïti c'est un pays fatra, le Salvador un pays fatra. On ramasse fatra yo plutôt. On ramasse fatra yo. Ça veut dire mais si pas ramasse fatra yo fait carotte. Les institutions faut nous apprendre les institutions marcher. C'est pour ça ta le sénateur. C'est pour ça. Oui. Marche nationale lundi 22 janvier, marche pour dignité nationale là. C'est une marche pour nous dire à toute raciste comme Trump, pour nous dire pays d'Haïti, c'est un pays, c'est la terre de la liberté, c'est la terre de la dignité. Pays d'Haïti, pas pays fatra que l'abdien, parce non, que nous gagnons fatra, nous chargeons fatra. Nous gagnons fatra, il faut accepter. Allez, merci. Je pense que Jean-Bonnard, merci. Bon, l'homme sous table, on nous dit ça dans le commencement de l'émission. Je vais nous faire ça pour nous faire à face. Bon, nous semble. Moi, je ne sais pas l'allié. C'est le problème du système pour nous poser. Avec les gens qui symbolisent le système, c'est là que nous voulons aller nous-mêmes.
Nous t'attendons un bagage qui dit sous question majorité. Lorsque vous avez un président qui a une majorité qui est confortable, c'est bon bagage pour vous? Très bien. Mais là, vous un président qui désordre le premier ministre, le Sénat, les chambres d'invité, les toutes. Est-ce qu'on sait le gamin qui a dit le bon pays? Et puis vous développez sous base caravane? Nous sommes chers présents si tu as une majorité. Et pour que ça nous ait gagné 27 sénateurs. Sauf Luc Florinon, qui va être sénateur à la Valas. Pour que ça nous ait fait une loi passée, c'est le douanement de lui. Je dis, bye, douane, bye, délégation. On croit songer ça, collègue. Ça dit, en majorité, fallait dire, ça va aller de, on peut y avoir avancé, non? Alors, je ne sais pas, journal qui va avoir une base politique. Moun ke li yo se l'ajan ou bay, moun se li kamene moun za yo, au contraire, parce que plus de rive, plus de zone dans le pays. Mais président, il va gagner zami. Il dit chef d'état. Écoutez, moi même je dis, battez-vous dans le pays, c'est cela qui nous est. On ne va pas faire zami ou bien tel sympathisant. Non, tel que soit moun qui fait payer tort, il faut avoir courage pour dénoncer. Et même votre action qui va bon. C'est pour nous. Nous ne pouvons pas. C'est pour nous dire pas bon. Pour ma majorité, je vais vous rappeler pour tout le monde. Nous parlons de deux gars qui vont arriver dans deux mois avec le Parlement. C'est pour nous conscients de ça. Nous songeons. Dans l'époque privée. Nous disons non, c'est coup de cassation. Tout le monde est privé. Ils sont venus nous. Pour nous combattre, nous disons oh. Le moi je l'ai dit et coup de cassation, et parce que moi je l'ai dit, ma coute, mon pas m'a mouru. Et puis c'est gentil, il a dit, ouais, moi je l'ai dit, raison. Moi-même, m'a dit tout le monde, je dis, dans sa rivière là, je vais attaquer les gens qui ont des gens. Nous connaissons bien faire avec le système là, que ces gens qui ont un système là, moi je l'ai consolidé le système là, si pas j'étais. Ok? Et, collègue Ivo, vous voyez ce qu'on fait là? Il va mal pour nous tous. Changez de discours, j'étais. Ok. Comment est-ce que vous avez la question? L'on dit ok, on va changer les sons, il vous dit. Oui, il m'a dit changer les sons. Ok. J'étais, le baron qui est joué. J'étais, bon, non seulement pas qu'à j'étais. Ça va sembler en position sérieuse. Moïse, pas fait ça non? Non, regardez, nous présentons. Monsieur, monsieur, baguette encore, non? Baguette 15 minutes, c'est une baguette. Je baguette non, nous disons, on n'est pas capable de nous. Est-ce que je vous dis, c'est une baguette du tout? De bas Jovenel, on voit nul. A vous conseiller, à gagner, ça n'est pas. Il y a un conseil d'État, et qui va mettre en assemblée en place, et là ça. Pour un état généraux et qui parle poser pour le pays. Fantasme pur. Ça va bien, ça va bien. Fantasme. Ah bon? Et ils vont dire nous arriver dans un. La conférence nationale souveraine aura bien lieu. Fantasme. Allez, non, collègue Ivo. Rêve éveillé. Ah non. Rêve éclair. Ils vont dire nous arriver dans un. Collègue Ivo, je dis, le matin, on veut mieux que ça. Attendez, mauvaise gouvernance, décision économique, pas bon. Instabilité chronique. Budget. Pas de stabilité là. Violence. Investisseurs qui fuient pays. Fondation qu'on est. Qui campe loin pays ça. Bagaille pour le Dimou. C'est ça que fait ça. Corruption. Non, pas corruption. Les haïtiens, bagaille pour le Dimou. Son mal qu'on a goûté. Nous avons un déficit budgétaire. 5 milliards de gouttes. Là, nous avons un déficit budgétaire. 5 milliards de gouttes. Bon, et moi, il m'oblige à Campo, oui. Quand je crois, c'est obligé à Campo. Sinon, l'autre monde pas bien. Oui, on dit. On dit, nous ne pouvons pas dire ce qu'on a dans mon cabaret là.
Non, pas dit ça. C'est ça le nom de président Fogo. Et là, ça me dit. On va attendre ça. Oui, qui t'en conclut, l'air fini non même. On va attendre ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Les sociétés, hein? L'église pas respectée. L'État disparaît. L'école est puissante. La famille pas capable. Disloquée. Pourquoi ça qui pas arrivé? Parce qu'on lève le campé. Si nous pas tant de disques qu'on a porté, hein? Pour qu'on change rapide. Pour tout le monde là-dedans. Tout le monde a pris le pays. Hein? La parole est grave, nous, oui. On est trop vieux, là. On est à nous côté aujourd'hui, hein. Parole n'a pas les yeux. Nous pouvons chercher à éliminer le monde. Et aujourd'hui, hein. M'a tout dit. Non, pas que ça, non. Attendez, non. Dernier soir, diamant, pas que ça. Monsieur, On fait déclaration, nous-mêmes, à travers Petite Dessaline, à travers Moun qui est en opposition, organisation de base, peuple haïtien, qu'est-ce qui est dans le sac d'ailleurs? Ils n'ont pas d'accord avec Trump. C'est bon, non. Ils ont dit que ce n'est pas Trump qui parlait, c'est le système qui parlait. Et étant donné que Jovenel Moïse symbolise le système en Haïti, on ne peut pas prendre Trump. Et puis vous quittez Jovenel Moïse en place. Pendant que nous allons condamner la déclaration de plan, nous allons dire pour nous continuer à demander. Le président du système qui va même condamner la déclaration de plan, il faut le payer ça. Étant donné que c'est pour misère, c'est Fatra qui fait trop dire ça, pour nous sortir dans ce nid là, eh bien, les gens qui symbolisent Fatra, les gens qui mettent le pays en situation ça, qui continuent à protéger le système là, c'est eux-mêmes pour nous chasser. C'est dans ce sens-là, nous dit tout le monde, 22 qui venir là. J'en ai déjà annoncé depuis mardi, il y a une manifestation qui a sorti depuis Papa de Saline, qui va passer Bel Air, qui va rencontrer avec Branche qui sorti Saint-Jean Bosco, qui va rencontrer avec Moun qui est dans le Cafoupéan, qui va gonfler avec camarades qui a sorti Petionville, ou bien militaires qui a sorti Petionville, ou bien. Université qui a sorti Petionville, ouvrez qui a sorti Petionville, nous pouvons croiser, nous pouvons aller devant, l'ambassade américaine. Et là, ça, nous pouvons condamner la déclaration de plan. En même temps, nous pouvons dire le monde entier, étant donné que toute chaîne de télévision dans le pays, pour nous tous dire les haïtiens, tout le monde qui a regardé nous, nous pas d'accord avec Jovenel Moïse, qui veut me symboliser malheur pour le pays, et nous pouvons nous demander, de pas Jovenel Moïse. J'aime toujours dire là. C'est ça que je dis, hein? Même mouvement, c'est là. Écoutez, même mouvement, c'est là. Luc Mandelil, du temps, de l'énergie et de l'argent perdu. Et c'est José Mérilien qui gagne. Bon, passe à moi, non, mon nom, non. C'est vrai, rapide. Même moi, c'est que, il y a des capacités là, qui ne soulevaient pas les yeux sur tout le monde.
je sais pas si elle dit. Si pas dit, il y a qui est indignant, parce que c'est ça qui passe au gros descendre là. C'est normal que les Haïtiens ici, tout le monde est indigné par rapport à des autres choses. Il y a nous à deux pour nous à l'action. Et c'est ça qui fait que, le 2 janvier, il y a tout Haïtien net qui est dans la figure, qui voulait dire non à l'ingérence internationale, qui voulait que le pays prenne l'autre route, a posé par réponse. Et réponse à la belle diverse, la belle sous diverses formes. Première forme, c'est ces manifestations marche 22 janvier, qui a pris plusieurs têtes. Oui, tu as pris plusieurs têtes, tu as pris plusieurs côtés pour la jouer ensemble. Dans le cas où il pas, pour la. Loger pour la. Passer dans américaine. Mais vous connaissez que si pas gagner une bonne éducation, quand vous avez des gens qui sont bons dirigeants, vous allez continuer là. C'est pour ça, 26 janvier, nous avons commencé cette semaine avec marche pour la dignité, avec relance grève dans cette éducation, et nous avons continué avec 26 janvier, 26 janvier, avec 27 janvier, tout, qui est 26 janvier, nous avons marche nationale pour bonne éducation, bon gestion pour enseignants, élèves, étudiants, mon qui est système, nous avons tout contribué là. Si nous avons éducation de la merde, nous avons payé de la merde, j'ai dit là. Mais maintenant, indignation, si vous prenez à l'action, c'est blague lié. Donc je vous dis, pays à nos routes qui n'est pas correct. Donc il faut nous mettre dans la figure pour nous dire qu'il faut payer à notre route. Et par rapport à notre route, c'est l'éducation. Si nous avons des enseignants qui ont commencé à dire, qui ont fait même besoin de base, et là, qui ont pris un grand goût, et si nous avons un grand goût, nous allons espérer que le pays qui paye. Parce que je vous dis, nous créons ça. L'autre pays, côté l'Afrique dominicaine, nous avons deux plats chauds chaque année pour chaque jour. Ici, nous payons grand goût, nous pouvons mettre à faire l'école sans manger. Nous pouvons mettre que, et pendant que la corruption a fait la rage. Je veux dire, nous avons dit question, dossier, subvention, qui se connaît. Le gouvernement a dit que la commission est montée. Jusqu'à présent, 4 mois après, on dit la donne. Nos ministres qui citent, etc. Nous pensons que je veux dire, faut dit, nous commets pour nous retirer le pays à côté de l'État, pour nous mettre contre la corruption, pour nous mettre contre toute raquette politique ou bien qui mette nous là. Ma fille me dit que Trump pas des autorités morales pour dire ça, dire parce que ça là, si à cela met là, Trump avec tout accord de client dans puissance et puis contribue à créer. C'est Nadi Colomb, impérialiste yo, international, avec policier Tchoul Borisite, plus bourgeoisie rapace antinationale, avec aider de facilité citoyen qui mettent nous là. Je veux dire, Trump sont coupables. Au même type de politicien, la quête politique qui n'a pas d'école fédérale, qui a travaillé dans l'intérêt étranger contre le pays. Je veux dire, il faut nous battre pour l'éducation, il faut que les gens prochains dirigeants pour payer la carte. Merci, merci. Alors, chaque monde a une possibilité de dire un petit mot. Il était 7 minutes, je vais commencer à Gonome Victor. Chaque monde. Et à Gonome Jean-Victor. D'accord, merci rapidement. Moun ki fréquente milieu rural en pile, gon ti parol ki gen nan milieu sa, ki mande pou nou ta réfléchi sou li en pile. Habitant di ou, bay bwè monte pase met. Lido bay bwè monte pase met. Lè sa la palo de cheval. Ave di moun kal bay cheval la dlo a. Qui pas propriétaire cheval là, il monte cheval là plus passé propriétaire cheval. Mais ça vous voulez dire, qu'on y a sous prend bail sur transposé cheval là c'est pays. Donc si nous pas faire attention, bail boyo a touyer cheval là tellement il monte tellement il a fait corruption sous litif frère sous cheval là, zanmi sous cheval là, cousin sous cheval là. Madame yo sou cheval là, finalement y a touye cheval là nan moun. Nous même nous dit devant menace nous gagne là et devant nous nous gagne inflation à deux chiffres là. Son tête chargée lié, malheureusement nous pas qu'à rentrer dans ça. Donc bon situation il marie avec déficit budgétaire. Ou bon situation côté que nous pas qu'à créer richesse pendant que population a augmenté. De ça, cette pauvreté n'a pas gravé dans le pays.
lors de vos situations, ou les jeunes qui ont pâti, ce n'est pas comme ça qu'ils ont pâti. Ils prennent ça qui est venu. Ça qui est venu, son famine. Inciter haïtiens à s'amréler une introspection réelle, une grande introspection. Un travail d'exploration, oui dit, d'exploration intérieure. Pour être capable d'identifier, analyser, chasser de nous-mêmes, ça que met les bas instincts, éléments négatifs, qui empêchaient nous bailler le meilleur de nous-mêmes pour aller de l'avant. Ça veut dire que, sous meilleur angle, qu'au capre déclaration ça, il doit provoquer un déclic haïtien, puis on connaît que c'est lorsque on décide de mettre tête ensemble, à exploiter ça que nous, chaque gain, même si nous pas même côté, nous pas au même genre, mais tirer le meilleur de ce que nous avons en nous, qui va permettre que pays nous aller de l'avant. Donc, c'est ça qui est fondamental, je veux dire, et ma conclusion vous me dit que, ma conclusion rapidement pour me dire que Saint Augustin t'a dit, il faut constamment désirer ce que l'on a. Ce que l'on possède déjà. Merci. Ça veut dire nous Haïti, on a continué à cracher sous lui. Merci. On nous continue même, on nous continue à travailler pour lui. D'accord. Merci, vous. Merci. Merci. Léona. Ok. Merci Jean Bona. Merci tout le monde qui était sous panel là. Et puis si c'est pas mieux, on dit pas c'est au cas où vous voir. Nous bien content que nous t'ai fait au débat et DG Erivo nous souhaiter. Prochain débat que nous jouons, nous pensons que nous sommes capables de nous d'attente et nous pensons, nous souhaitons tout pour nous pas faire propagande pour ça qui n'est pas vrai. Et m'espérer, tout le monde qui tendait et tout le monde dans le pays, il y a pas conscience que nous tous concernés. Si nous pas goûter contre impunité, nous pas goûter contre corruption, génération cabinet après nous, il y a condamné nous jouer. Merci, Moïse Gerson, merci. Alors d'abord, ma première, merci Jean Mona pour une belle émission aujourd'hui. Merci à tous les panélistes. Et je me suis PDG Patrick Moussigna qui toujours dit, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'on dit, il y a une bonne possibilité pour dire. Et c'est une raison, j'ai l'impression que Radio Caraïbes réussit, j'en réussis là. Donc, me félicite le travail qu'on a fait là. Merci un peu pour l'invitation aujourd'hui. Et tout patient, capitaine de tous côtés, nous espérons que nous satisfaits de l'intervention. Nous. Et puis, mon guitare, mais contre plus de Pâques, nous c'est peut-être premier parti politique à Haïti ou bien première organisation politique qui a une possibilité pour inscrire en ligne. Donc, on va aller sur Pâques, Haïti en créole, pâquehaïti.com, ou capable de bâtir ça. Et nous plus quoi, même dans les États-Unis avec approche affiliation, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de bâtir, nous avons affilié avec nous-mêmes. Merci, donc, merci plaisir, sénateur. Moi, Jean-Charles, une minute, 30 secondes. Oh. Moïse se conclut déjà? Hein? Non? Merci Jean Mona. Jean Mona, ça ne pensait. Il était conclu déjà? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai ça. Non, c'est pas vrai. Il va pas conclu. Non, mais juste dis merci. Sénateur Baguen, débat. Juste dis merci. Il est important pour nous faire rappel. Il va pas conclu à la vie. Nous ne va jamais conclure Jean Mona. Rappelle-nous, par rapport à ce que tu dis là, c'est que je ne suis pas d'accord. 11 millions, et puis nous quittons le pays. Je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord. C'est difficile pour nous venir sur la même table. Nous c'est merci pour dire assemblée, merci nous tous. Je dis à nous voulons, ou bien nous avons souhaité, que nous comprenions ce qu'a fait dans le pays. Là. Quelle classe moyenne, mon ghetto, mon dans la diaspora, nous pas là-dedans. Il y a même de nous dans le pays, non? Si nous parlons avec le pays, merci. Nous continuons à quitter le pays pour aller au Chili. Nous faisons appel à tout le monde. On dit tout le monde. Merci Lucman. On arrive. Faut m'aller, Merci Lucman. Mais allez, alors, merci. Merci Lucman. Merci Jean Mona, tu fais un honneur d'inviter l'émission. Non, monsieur, sénateur Rivo. Excusez-moi, Fonti, élection moi, qu'est-ce qui t'est pis des autres là? Excusez-moi. Sénateur Rivo. N'a pas conclu pour déjà mettre un pis des autres. N'a pas conclu pour dire que sénateur Moïse, nous avons différence avec la différence c'est que. Si en tant que leader politique, c'est pas débat, non, c'est remercier. Et lui pour demander le parlement de diaspora pour le GT. Vous trouvez que ça anti Jean Makissas. Vous demandez sa voix ici. En tant que responsable et politique. Vous demandez le voix ici qui t'aide. Nous croyons que manifestation sur le droit démocratique. Son, j'ai passé, mais par la ville de nos plaisanteries, chaque gouvernement voté, j'étais. Merci, je ne sais pas. Vous demandez le voix ici. Ça, on va prendre la main. En tout cas, Marjorie Michel, merci.
Je ne veux pas attendre. N'a pas remercié Jean Mona. Les arrivés, vous n'êtes pas d'accord avant, l'on t'a demandé à Aristide. N'a remercié tout panéliste. Jamais lâchez moi au clap à plus. Oui, vous jamais d'accord. Ah, c'est vrai. Ok. Ils m'étaient cohérents avec moi. Non, ils ont monsieur. Ok. Marjorie Michel. N'a remercié tout panéliste pendant que nous sommes sur route pour nous capoter le système, ça, tout cabinet qui représente lui. Et parce que constat toute population, tout haïtien, ouais, ils ont constaté que le système n'est pas capable encore. Et jusqu'à ce que nous arrivions dans la conférence nationale là, pour nous redéfinir l'autre nation, pour nous bailler institution et vraie mission. Et nous ne sommes pas capables de quitter pendant notre travail pour nous marcher vers capoter le système en général et tout cabinet. N'a avancé et n'a défendu la dignité nous. C'est pour ça que nous réitérons l'invitation à toute population. Yo. Toute population haïtienne, nous avons marché tête ensemble pour défendre la dignité nationale. Moi, ça, j'ai gagné des points de rassemblement qui sont Champ de Mars, qui sont Carrefour Payant, Carrefour Aéroport, c'est Jean Bosco Pétionville, c'est Jean Bosco au bas de la ville et Carrefour Aéroport, si je ne pas dire déjà, pour nous longer au aéroport, là, pour nous aboutir devant l'ambassade américaine, pour nous porter un message. Là. Nous-mêmes, dans l'opposition démocratique, nous avons dit. Nous sommes table de concertation ouverte parce que l'île est temps pour tout pays, tout citoyen qui est ensemble pour nous arriver à la conférence nationale là pour nous redéfinir le pays. Là. Merci toute invité que tu es avec, c'est ton plaisir. Alors, on a rendez-vous avec Ramassé ce samedi. Bon week-end, bonne semaine.